son émission 20h30 le dimanche sur France 2, Laurent Delahousse a posé plusieurs fois la question à son invité Ségolène Royal, sera-t-elle, oui ou non, une nouvelle fois candidate à l'Élysée ? Je ne me pose pas aujourd'hui la question, a d'abord expliqué l'ancienne ministre avant de développer, ce que je peux vous dire de plus précis c'est que le combat de ma vie, et aujourd'hui plus que jamais, c'est le combat pour la protection de la planète. Cela peut passer par la présidence de la République ? Lui a alors demandé Laurent Delahousse. Peut-être, a fini par lâcher Ségolène Royal, mais c'est le combat aujourd'hui principal qui relie tous les autres combats, y compris la question de la sécurité. Ségolène Royal a déjà brigué, au nom du Parti Socialiste, la présidence de la République en 2007, avant d'être battue, au second tour du scrutin, par Nicolas Sarkozy. Sur les européennes, Ségolène Royal répondra en janvier aux socialistes. Avant d'envisager une campagne présidentielle, Ségolène Royal devra d'abord répondre aux sollicitations de plusieurs socialistes qui souhaitent la voir conduire la liste de leur parti aux prochaines européennes. Comme elle l'avait déjà confié au JDD le 28 octobre, l'intéressée a indiqué sur France 2 qu'elle n'avait pris aucune décision. L'ancienne ministre de l'Environnement a réaffirmé qu'elle ferait connaître son choix en janvier. Si jamais je m'engage, ce sera pour défendre des causes au niveau de celles qu'on a évoquées tout à l'heure, a-t-elle ajouté.